Faux départ, je crois, de Marie-José. Non, il n'a pas été sifflé. Bon, Marie-José Pérec qui est bien parti avec Merlene Ottey également. Super moment en fréquence. Allez, Marie-Jo, il faut revenir. Attention à la ligne. J'ai l'impression qu'elle est près de la ligne. À la dernière ligne droite avec Marie-José qui est en retard sur Merlene Ottey. Marie-José qui est en train de faire son effort maintenant. Marie-José qui est en train de passer. Marie-José qui va devenir championne olympique de 200. Oui, Marie-José Pérec. 22 secondes, 13 centièmes. Marie-José Pérec, championne olympique de 200. C'est la folie. Oh là 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 là, alors que là c'est Marie Onyali qui se prend la tête dans les mains. Ah. Et Merlene Ottey. Oh, Merlene Ottey, c'est la collade, mais c'est du bout des lèvres. Ouais, elle le savait, elle le sentait peut-être, car 22-13, je ne dirais pas que, vous savez, chaque course est une course différente, il faut voir le vent, et puis peu importe le chrono. 22-12. L'enjeu les a peut-être aussi contractés, a peut-être surtout contracté Merlene Ottey. J'attends bien sûr, j'ai toujours peur du ralenti, mais pour l'instant, ne gâchons pas notre bonheur. Marie-José Pérec vient de réussir l'impossible. Directement peut-être aussi vers son papa, comme pour le 400 mètres. Oui, son papa qui est venu ici pour la voir à Atlanta. Mais Marie-Jo vient de réussir vraiment, en coupant l'herbe sur pied de Michael Johnson, à devenir championne olympique du 200 après avoir été championne olympique du 400. Regardez, elle est en retard, Bernard, et c'est maintenant qu'elle accélère. Oui, complètement. Les deux plus longues, les deux plus belles foulées du circuit, mais surtout sur la fin, Merlene Ottey ne pouvait plus, Patrick. Elle a le 400 mètres, elle a le travail du 400 mètres, elle en avait la fatigue peut-être, mais elle en a surtout le travail. Marie-José Pérec, elle a pu se relâcher. Et puis vous savez aussi, elle a dû se sentir très très motivée lorsqu'elle a senti qu'elle revenait sur Merlene Ottey, qui par contre à ce moment-là n'a pu elle que se crisper. Oh là 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 là, ce retour de Marie-Jo qui d'habitude, vous savez, quand elle est menée, Marie-Jo, elle a du mal à faire l'effort. Et là, pour la première fois, alors qu'elle était deuxième, elle est allée se jeter sur la ligne devant, alors que Marie Onyali, en risquant de se blesser. Regardez le masque de Marie-Jo. On a rarement l'habitude de voir ce masque-là. C'est vrai. Quelle volonté, ce n'est pas du tout la Marie-Jo triomphante du 400. C'est une Marie-Jo terriblement déterminée. Oui, je crois que sur la fin, elle n'en pouvait plus et elle a dû être complètement désespérée, Merlene Ottey. Et Marie Onyali, donc, qui va, vous allez le voir, elle va plonger pour prendre la troisième place. Oh la Marie, elle est contente comme tous les deux Maries d'ailleurs, Marie-Jo et Marie Onyali. Mais quel masque de Marie-Jo, c'est stupéfiant le masque de Marie-Jo. Marie-Jo plus que jamais, Bernard. Oh oui. Marie-Jo plus que jamais. Je ne sais pas si elle aura la... Oh là là, elle éclate en sanglots, Marie Onyali. Et Merlene Ottey, un bisou, mais vraiment, vous vous rendez compte ce que Merlene endure. Plein de respect, d'amitié, mais de tristesse aussi. Elle ne peut pas se jeter dans les bras de Marie-José de manière heureuse. C'est impossible, Patrick. Marie-Jo, 22 secondes et 12 centièmes. Merlene, 22-24. Marie Onyali, 22-38. Marie-José Pérec vient de rentrer vraiment dans la légende des Jeux Olympiques. Oui, complètement. En rejoignant Valérie Brisco-Hux, la seule victorieuse sur 200 mètres et 400 mètres. 12 ans après Brisco-Hux, Marie-José Pérec apporte à la France vraiment deux superbes médailles d'or dans des styles très différents. Ouais, souvenez-vous aussi des championnats du monde de Stuttgart où elle était sur 200 mètres, elle avait terminé quatrième, mais à cette époque elle allait sur 200 mètres car elle n'était pas prête pour le 400 mètres. Et on se disait, bon, ben, c'est bien, mais elle pourrait-elle vraiment y réussir? Et là maintenant elle est prête, elle arrive au summum de sa préparation. Quelques années ont passé, elle maîtrise mieux sa course, elle maîtrise mieux sa carrière surtout, son existence de championne. Elle a dû aussi s'exiler un petit peu pour ça, mais elle n'en reste pas moins avec le cœur en France et aux Antilles. Vous savez qu'avec le décalage horaire, il est favorable aux Antilles et ils sont tous là devant leur télévision à regarder France Télévisions. Je les salue vraiment. Ils peuvent être fiers de leur championne. C'est le porte-drapeau de l'athlétisme antillais, Marie-José. Et tous ces champions que les Antilles nous ont fournis, eh bien, voilà le plus pur des diamants qui aujourd'hui s'exprime à Atlanta. Double championne olympique sur 200 et 400. Et la grand-mère de Marie-Jo, qu'est-ce qu'elle doit être fière là-bas. Vous vous souvenez quand elle lui avait dit qu'elle avait perdu une bataille, mais qu'elle n'avait pas perdu la guerre. Oh là là, là je crois. Elle avait raison, sa grand-mère. Et Marie-Jo va continuer encore, elle pense à Sydney déjà. Ouais, championne olympique et deux, à Barcelone. Deux. C'est le signe qu'elle fait, le signe de la victoire et le signe de deux médailles aussi. Ouais, championne olympique à Atlanta sur 400 et 200. Deux fois championne du monde. Quel palmarès unique dans les annales de l'athlétisme en France.
Patrick, oui, Gérard. On peut citer